Oh, petit clin d'œil. Et bien sûr tout le monde, c'est Lille de Tape. Aujourd'hui on se retrouve sur Mycid, je sais pas trop comment on dit. C'est un petit jeu sur que j'ai trouvé sur itch.io, ou itch.io, comme certains disent. Enfin bref, allons-y, nouvelle partie. Jour 1. Salut, je m'appelle Mita. Quel est ton nom? Oh. Heureuse de te rencontrer, Elite. Elite. La dernière fois, j'étais tellement pressé que j'ai laissé tout un bazar ici. Tu pourrais m'aider avec tout ça? Oh, c'est trop mignon! Alors. Ok. Jusque là, ça va. On a des sous. C'est quoi ça? Oh, y a trop de trucs. Ah, le pantalon sale. Des chaussettes. Ah, faut que j'aille à l'autre bout à chaque fois. Hop là. Le caleçon. Hop là. Eh ben, merci beaucoup. Jour 2. Ah, oh, c'était rapide. Salut Elite, j'ai faim du coup. Ah ouais? Je voudrais manger quelque chose. Pourrais-tu m'acheter des ingrédients pour une soupe au poulet? Putain, mais la meuf... Pas tout lui faire non plus, oh! Nourriture, alors... Soupe au poulet... Attends, on a quoi d'autre? Pas grand-chose, ok. Tu as acheté... ingrédients pour la soupe au poulet. Waouh! C'est dont j'avais besoin. Cuisinons-les ensemble, d'accord? Let's go. Oh, une carotte. Hop les, top chef. Ok, maintenant la petite patate. Jours. Oh là, on a skip des jours là. Elite, je vais acheter une télé pas chère aujourd'hui. Ok, si tu veux. Elle est portable et possède une antenne. J'aimerais la prendre avec moi quand je sors faire un tour. Enfin, c'est une télé quoi. C'est pas un truc que t'es censé... Enfin bref. Souviens-toi, tu peux jouer à des jeux pour gagner de l'argent. Ah ça, c'est pas mal ça. Vas-tu jouer, gagner un peu d'argent et m'acheter cette petite télé? Elle est où cette petite télé? Oh, traitement électronique. Oh. C'est quoi tout ça? Mini-jeu. Ah, moi je veux ça. Je peux pas. Ça alors. Oh, qu'est-ce donc? Oh. Ok, je dévisse. Oh, qu'est-ce donc? Oh, une carte mère. Ah, ok. Ouais, là, on est en train de bosser, en fait. C'est pas un mini-jeu, ça. Ce qu'elle voulait dire par petit jeu pour gagner de l'argent, c'est que tu travailles. Voilà. Incroyable. Électronique. C'est quoi ça du coup? Ok. Jusque là, ça a l'air d'aller. 150. Wow! Génial, on a assez d'argent pour acheter une télé désormais. Acheter une petite télé. Mobilier. Paraît balèze ta télé. Oh non, il est toute minuscule. Oh, c'est trop mignon! Voilà, la moins chère et la plus facile à transporter. Exactement ce dont j'ai besoin. Merci, je t'en prie. Jour 20, on fait des grands sauts quand même. Hihi, Elite, je suis contente que tu m'aides. Petit smiley qui sourit. Au fait, cette télé, elle était sympa, mais elle s'est cassée tellement vite. Smiley qui sourit pas. S'il te plaît, aide-moi à déplacer ce placard à un autre endroit. Smiley, comme ça. Parce que c'est très très lourd pour moi. D'accord. Comment je fais du coup? Oh yeah. Ok. Easy. Merci beaucoup, cœur. Tu es mon préféré, Smiley qui sourit. Jour 33. Oh, Elite. Cela fait juste un jour, mais tu m'as déjà manqué. Apparemment, je me suis absenté. J'aimerais que tu me rendes visite plus souvent, Smiley qui sourit. Apparemment, j'ai un petit cadeau. C'est pour moi? Oui. Merci, merci, merci. Jour 37. Moi, je voulais savoir ce qu'il y avait dans le cadeau.
Hé hé, Elite, je me disais. Je voudrais te voir en personne. Si seulement je pouvais. Smiley qui sourit pas. Je t'apprécie beaucoup, tu fais quelque chose pour moi chaque jour. Je voudrais te remercier aussi d'une certaine façon. Tu sais, j'ai une idée. Oui. Ça se rapproche, quoi. Tu es avec moi maintenant, Smiley qui sourit. Pose le téléphone. Oh. Ah, c'était un petit jeu mobile, alors. Oh, pas mal la transition. Où suis-je? Cet endroit me dit quelque chose. Est-ce que je suis dans ce jeu? Suis-je dans le jeu? Putain, c'est incroyable! Attends, ah merde. Ouf! Oh, bruit! Attends, j'ai une grosse sensibilité. Champ de vision. Oh! Je me permets. Ok. On se retrouve dans le petit. Oh, mais c'est incroyable! Une photo. Est-ce que je peux pas m'accroupir? C'est cool. Alors, qu'est-ce que je dois faire? En tout cas, on voit notre corps, ça c'est cool. Bonjour. Sa porte d'entrée. Ça c'est le... j'oubliais le nom. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux pas ouvrir les portes. C'est embêtant. Ah! Ah si, faut que je pousse! Attends. Je pensais qu'il fallait interagir avec eux ou quoi, mais non. Pas du tout. Je peux pas courir non plus. Eh! Oh, la cuisine. I love you. Wow. Du coup, je suis tout seul. J'imagine c'est ici que tout se passe. Oh! Mais la petite télé! Version du jeu dépassée. Existait le programme pour mettre à jour. Alors, pousse. Avant, j'explore. Un setup gaming avec un casque oreille de chat rose. Incroyable. Une petite figurine. Un miroir. Pas miroir. Ici, la salle de bain. Très bien. Donc, voyons voir. Comment t'exécutes le programme? Oh! Oh! Yop, j'appuie. Apporter les objets au scanner. Il faut un écrou. Parce que l'écrou est ici ou faut que je cherche partout? Apporter au scanner. Ah non, là, ok. Ah si, d'accord. C'est marqué cuillère, stylo, chouchou. C'est un chouchou, pas un écrou. Alors le stylo, il y en a un là. Ok, il y a juste à cliquer pour les ramasser, ça c'est bien. Hop. Le chouchou, peut-être dans la salle de bain. Oui, exactement. Hop. Et la cuillère, qui est forcément à la cuisine. Ouvrir les portes comme ça me met pas dans la confiance. Hein, quoi. Et la cuillère, qui est ici. Hop là, ok, j'ai tout. En tout cas, elle est sympathique la petite maison. Et hop, la cuillère. Scanner les objets et démarrer le processus. Ok, le bouton il est là. Poup. Prêt à lancer. Ah oui. Et hop là. Version 1.9. Chargement. Bizarre la musique. Ouais. Ah, je dois aller dedans? Non. Ah si. Oh. Remettez le courant à la porte d'entrée. Ah. Oh, sa mère. Oh. Ok. Trouver les batteries. Ah, quoi? Trouver les batteries, serveurs et les retourner. Ah, j'ai pas vu. Qui es-tu? Ton père? J'ai pas compris. Aucune batterie, serveur. Vas-y, elles sont pas genre juste à côté. Ok. Ne vois-tu pas? Non. Tu veux jouer? Non.
fermé. Je peux pas sortir. Non, je veux pas jouer. C'est moi, j'entends des bruits de pas. Non. Oh, y a une batterie. Y a une batterie. Prends la batterie. Ah. Oui, prends, prends, prends. Ah. Ah. Oh. 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 Qui es-tu? Qui es-tu? Ah, c'est pas là que je vais aller, moi. Eh, coucou. Ah, c'est marrant. Ah. Et... Oh, putain. Oh, y'a un fusible. Enfin, un truc. Ok. Oh. Eh, la radio. Ok, je peux pas l'éteindre. Des particules. Ah. Eh, dis tu. Tu veux pas tes batteries? Regarde. Eh. Je dois pas les. Ah putain, faut que je les mette. Ok. Et il m'en manquera une, du coup. Ah, oh, regardez qui me regarde. Eh. Tu l'as pas, la batterie, par hasard? Ah, c'est quand je la... Ah si, là, je la regarde. Ah, bouge pas instantanément. Hein. C'est quand je m'arrête... Enfin, bref. Il me reste une... Toujours pas ici. Non, ici j'ai regardé, j'ai pas envie d'y retourner. Il y a des bruits chelous. Mais il y a quelqu'un dans le placard en fait. Alors, on va retourner ici. Bonjour. Il n'y en a pas une autre par hasard. Je peux m'enfuir. Non. Il y a des mouches. Si j'ai vu... Attends, mais il doit y en avoir une dans chaque... Je suis en sueur en ce moment. Il doit y en avoir une dans chaque pièce. La dernière doit être cachée ici. Je pense. J'espère. Sinon je vois pas où est-ce que ça pourrait être. Ma poubelle. Toi, non. Je vois pas. C'est embêtant. Ça c'était tout mignon au début. Ça devient cauchemardesque. Ah, tant pis, je vais refouiller toutes les pièces. J'ai horreur, vraiment, la façon d'ouvrir les portes. Mais il y a des mouches par là. Je peux pas. Oh, elle était cachée. En fait, les mouches me guidaient. Ok, c'est bon, il y a personne. Il y a personne. Vite, 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 vite. Il y a personne. Ok. Ça sent le cul cette histoire. Démarrer l'appareil. Pourquoi tu fais ça, mec, aussi? Vas-y, hey, va dedans là qu'on en finisse. Elle va apparaître devant moi ou un truc dans le champ. Ah, c'est tout mignon d'un coup. Ah, c'est plus mignon. Remets le courant, ok. Oh. C'est pas mignon. Je peux rebouger. Données transmises. Alors. Est-ce qu'il y a encore le message dans les toilettes? Yeah, je... Ah putain, sa mère. Ah. Ah. Ok.
fameuse version du jeu. Ouais, genre une version bien horrifique. Oh, putain. J'ai même pas pu lire. Je suis sous le choc. Ouais. Allez à la cuisine. Attends, je vois qu'il y a des points d'interrogation. Souviens-toi. Tu as porté trois choses. Oui, sur ce scanner. Point d'interrogation. Eh bien, ces choses sont en lien avec cette version de ce monde. Et maintenant, tu es ici. Smiley qui sourit. C'est sympathique comment les sous-titres apparaissent et tombent, je trouve. Attends, ça me gratte la fesse. C'est la télé que j'ai achetée. Et eux, non, c'est juste... Et je suis pas une fille. Elle était cassée. Je voulais juste te faire une surprise. Oh. Pour te faire venir ici, Smiley qui sourit. J'ai besoin d'une petite télé pour ça. Et maintenant, elle affiche des informations. Et au passage, oui. Je suis un peu ingénieur, Smiley qui sourit. C'est pratique, ça. Ok, je peux aller partout. Pourquoi le miroir ne reflète rien ? Eh, hey, salut. Ah, ça. J'ai oublié d'activer la... Oh, trop bien ! Maintenant, il reflète... Oh, c'est trop bien. Oh. Je ne savais même pas ce que c'était. Il n'y en avait pas dans mon monde. Jusqu'à une certaine mise à jour, ce maillet qui sourit. Il y a tant de réflexions que ça dans ton monde. Oui, il y en a autant. On ressemble donc à ça. On fait un peu la gueule quand même. Est-ce qu'elle me suit? Selon les pièces que... Ça en a l'air. Je préfère cette version du jeu, moi. Ça fait moins peur, donc. Oh! Donne! En plus, j'aime ça, moi. Je porte des lunettes. Mais je peux les porter. Si tu le souhaites. Vas-y, pas la peine. Ah, du coup, je suis curieux de les voir avec. Bon, tant pis. Je crois qu'on a plus trop chaud. Il y a tellement de livres. Est-ce que tu les lis? J'ai lu tous les livres. J'ai toujours été seul ici, je m'ennuyais tellement. Ok. Oh, il y a trop de points d'interrogation. Combien de chaînes de télé sont accessibles ici? Ce n'est pas une télévision par satellite ou par câble. Ça passe par Internet. Donc, tout ce que tu peux regarder sur Internet est disponible ici. Vas-y, prends le recal. Attends. Ah. C'est quoi ça? Oh. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Des chatons? Le juice. Ah. Oh, trop stylé. Fais de la magie. Tu veux du jus? Bah carrément. Le goût est... jumeur. Assez délicieux. Et à la fois sans saveur. C'est difficile à expliquer. Drôle de publicité. Le jus est mort. C'est ça. D'accord. Et le jus provient du jus. Mais c'est... Ok. Mon téléphone. Il avait disparu de ma poche. Comment est... a-t-il atterri ici? Ça n'a pas d'importance, Smiley qui sourit. Attends, j'ai une idée. Dans sa gueule, pardon. Prêt pour prendre un selfie? Vas-y. Et bon, vas-y, souris un minimum. Notre perso fait la gueule. Quelle photo? Garde-la en souvenir, Smiley qui sourit. J'ai une question. Si je lance le jeu sur mon téléphone maintenant, je t'y verrai? Personne ne sera là. Attends, si je le clique dessus. Es-tu Mita? Je dois faire quoi si tu veux repartir, comment je me suis retrouvé dans le jeu? Bonne question, ça. Laisse-moi t'expliquer.
Maintenant, tu es là. Compris ? Pas du tout. Oui. C'est pas... Le principal, c'est qu'on soit ensemble maintenant, ce mec qui sourit. Es-tu Mita ? C'est bien moi, ce mec qui sourit. Es-tu Edith ? Non. Si je veux repartir, tu veux déjà repartir ? Je pense que ça devrait être possible, mais... Et moi, alors ? Restons ensemble. Avec son jus. Pas de point d'interrogation ici. Ah, si, là. Et dans la cuisine. Il y a des... Hey, regardez-moi ça. Il manque un couteau. Pourquoi as-tu besoin d'une seconde télé? Et celle-ci... est vieille. Tu ne l'aimes pas? Je peux l'enlever d'ici. Mais sinon... C'est juste pour faire joli. Ça décore la cuisine, Smiley qui sourit. Et puis, elle fonctionne. Tu peux regarder. Looney Tunes. Waouh. C'est quoi ça? Un anneau? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi fais ça? Tu as faim? Cuisinons quelque chose ensemble, d'accord? Fais pas des trucs comme ça! L'anneau a disparu! Ça se trouve, il y avait autre chose. Aide-moi avec les carottes. D'où viennent les légumes? Je veux dire, juste à l'instant, il n'y avait rien ici. Et nous sommes dans le jeu, tu te souviens? Allez, aide-moi. Oui, c'est vrai. Mais qui se téléporte dans... Ouais, enfin bref. Coupons les carottes. Merci. Tu pourrais aller chercher les ciseaux. Ils sont dans la salle de bain. Prendre les ciseaux dans la salle de bain. Elle va se retrouver derrière moi. Putain, j'ai oublié qu'il y avait une chambre. Ah ! Alors. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh ! Ah, il y a les trucs pour... Attends. Je vais apporter les ciseaux. Et si plus tard, il y a encore la possibilité, j'irai voir. Mais ça se trouve... Oh, j'ai déjà fini. Mais ça se trouve, il y a peut-être... je sais pas s'il y a plusieurs chemins possibles, du coup, dans le jeu. Enfin, bref. J'ai dit ciseaux pour rien, du coup. Donner les ciseaux. Oui, tiens. Tu veux de la sauce? Bah, moi, je voulais bien. Non. Dommage. Avec un peu de sauce, la nourriture a meilleur goût. Ce qu'elle disait. Non, pardon. On peut discuter avant de manger. Alors, jolie maison confortable. Quand est-ce que je pourrais rentrer? On va, je pense, éviter ces questions. Tout est comme dans un rêve. Pourquoi ne peut-on pas voir l'extérieur? Pourquoi as-tu besoin de ciseaux si tu as déjà un couteau? Bon appétit. Ça, c'est pour avancer, du coup. Cette question, j'aime pas trop. Jolie maison confortable. Assurément. Tu peux rester ici, ça ne me dérange pas. Bah, c'est un peu toi qui m'as finir. Et au contraire, je préfère ça. J'hésite. Cette question, il devrait y avoir... Enfin, bref. Tout est comme dans un rêve. Tu comptes t'enfuir et tout oublier? Non. Je me dis juste que tout semble tellement irréel et coloré. Mais tu sembles vraiment réel. Juste semble, mais je suis réel, idiot. Pourquoi on peut pas voir l'extérieur? Fonction de mon monde. D'accord, ça peut te sembler étrange, mais tu ne verras pas ce qui se trouve au loin. Je pense pas que ça me remarque tant que ça. Ça rend bien. Yep. Ça permet d'éviter de laguer. Laguer? Il y a des bugs. J'espère que tu ne tomberas pas dessus. Pourquoi tu as besoin de ciseaux exactement? Des ciseaux et un couteau. Je peux aussi ouvrir le sachet avec un couteau, bien sûr. Mais je voulais que tout soit prêt pour ton retour. De façon à ce que tu vois pas les préparatifs. J'aime faire des surprises.
Est-ce que je la pose vraiment cette question? Pas tout de suite. Je prends le temps d'apprécier ton repas. Je pense que je ferai ça. Il doit y avoir plusieurs chemins possibles, c'est pas possible. Il doit y avoir plusieurs chemins parce que t'as tellement de choix. As-tu pu tout finir? Pour moi, mon plat semble sans fin. Se lever. Mettre la vaisselle dans l'évier. C'est moi, il y a un petit filtre grésillant. Oui, c'est pas une impression. Qu'est-ce qui se passe? On va finir dans le monde étrange, non? Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ce que tu vois et ressens. Mon cœur palpite. Ma vue est complètement brouillée. Je sais ce qui ne va pas avec toi. Tu peux marcher. Fais mal aux yeux un peu, quoi. Ok, c'est nous qui appuyons pour marcher. Elle a coup de couteau, enfin coup de ciseau dans l'œil. Non, ça va. Des pilules? Qu'est-ce que c'est? Des pilules, effectivement, c'est des pilules. Tu t'en sortiras mieux presque instantanément. Tiens-toi devant le miroir. Prends les pilules. J'attends. Alors, comment ça va? Tu te sens mieux? Oui. Mais comment ça peut agir aussi vite? On est dans le jeu. Et tout est très simple. Tu fais le moindre effort. Et le résultat est souvent bien plus important. C'est un des principes d'un jeu. La simplicité. Par exemple, les carottes. Tu en coupes une, mais trois seront préparées d'un coup. Ça, c'est trop bien, ça. Écoute, tout ça arrive si soudainement. Cette situation me fait vraiment peur. Bah, tu m'étonnes. C'est vrai que c'est un peu... Hop, elle disparaît. Mita! Les débuts de l'étrange. Ah bah, ça donne envie. Alors, effectivement, ça s'est refermé. Donc, je pense qu'il y a plusieurs choix dans le jeu qui vont plus ou moins impacter la fin, du coup. Il y avait une chambre avant. Il y a une chambre en moins. Par contre, il y a une porte en plus. Bah. Ok, ça change de place. Mais... C'est pas du tout comme ça avant. Yo. Tu es déjà arrivé. Comment es-tu arrivé ici aussi vite? Tu es dans un jeu... Non, tu étais là pour moi. Non. Tu étais figé devant le miroir. Je suis parti. Qu'est-ce qui est arrivé aux pièces? Je les ai réarrangées. Comme ça, elles te seront plus familières. C'est-à-dire, les pièces ne sont plus en ligne. Mais telles qu'elles sont censées être. Ah, ce n'était pas nécessaire. Je veux dire, j'y suis habitué. Je pense que tu te sens... là, 1, 2, 3, j'arrive pas réussi à lire. On peut pas ouvrir le placard? Pas du tout. Qu'est-ce que... Ça arrive. La pièce n'a pas eu le temps de charger. Attends un peu. C'est étrange. On est dans le téléphone de quelqu'un. Et ce téléphone serait aussi long à charger? Non. C'est juste que tout n'est pas parfait. Dans ce monde. Et nous sommes vivants grâce au... cœur de ce monde. Cœur?
Pourquoi tu tires la langue? Typique, hein? On peut jouer avec la console. Ou jouer aux cartes. Choisis ce que tu préfères. Jouer avec Mita. Ce sont tes cartes. Ça, c'est les cartes, non? Oh, c'est quoi, un bouquet? Qu'est-ce qui s'est arrivé au portail? Ou je ne sais comment tu appelles ça. Par mon claquement de doigts magique, je l'ai déplacé à un autre endroit. On n'a pas besoin de ce portail maintenant. Il est... J'arrive plus à lire. Enfin bref, il pue là, quoi. Alors ça, c'est les cartes. C'est les cartes. Ça a l'air d'être les cartes. Je vais choisir la console. Oh, il y a vraiment des trucs. Est-ce qu'on devrait combattre? Attends, sauter, frapper. Je dois gagner 4 fois. Laisse-moi commencer en premier. Je pense que je vais y aller doucement. Ouli. Bien joué. Ok, je comprends. Maintenant, accroche-toi, elle va me défoncer. Ok, waouh. Ok, maintenant je deviens sérieuse. Ah! Ah! Elle me gifle! Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, ça va! C'est pas intéressant. Mais je joue au clavier comme ça, c'est pas... Ok, appelez. Tu peux me battre maintenant? Et bien sûr. Aïe. Ah ah. Ça c'est fait. Fatality by the way. Ouais, bien sûr. Allez, le premier coup. Hop là. Non. Ah. Ah putain. Tu resteras un loser pour toujours. Allez, allez. Ah. En même temps, les touches sont un chier. Vas-y, j'ai le premier shoot. Ah. Je fais tout... Oh là, bizarre dans la phrase. Tu ne vas qu'à t'y mettre plus sérieusement. C'est pour ça, ça marche toujours pour moi. Très bien. Ah ! Allons jouer aux cartes, d'accord ? Dans ma chambre. Y'a... Ah, c'est bon, ok. Un petit bug. Jouons aux cartes. Alors. On commence le jeu... Je vais t'expliquer rapidement. L'icône donne le type d'action. Par exemple, le cœur. Lorsque tu poses une carte, si tu as davantage de cœurs sur ta carte que je n'en ai, tu gagnes. Prends les cartes. Je prends les cartes. Ok, maintenant, c'est mon tour. Waouh. J'ai des bonnes cartes. C'est pas trop... Je commence. Il y a un bruit de... Yep. Ok. Alors, 3. Voir les cartes. Il y a quelqu'un qui toque. C'est... Donc, si je fais... Utiliser la carte. Je vais mettre celle-là. Tu as compris. Action d'attaque. À toi. Quelqu'un qui toque toujours.
10 d'attaque. Ah, ça fait beaucoup. J'ai envie d'ici le 6, 2, 8. Je suis victorieuse. Action de défense, ok. Bah, je vais mettre la même carte du coup. Qui est ici? Ouais. Il peut arrêter de toquer le mec dans le. Ni en inverse, ni en arrière. Action d'attaque. 10 cœurs, mais 0 d'attaque. J'ai la même. Vas-y, hein. De toute façon, j'ai que celle-là. Égalité. Action de défense. Ah, ok, c'est bon, je viens de comprendre. J'ai pas compris. C'est quoi ce son là-bas? Ah, merci. Puis tout à l'heure, ça toque, là. Ça vient du placard. Un son? Quel son? J'ai entendu aucun son. Dis-moi à quoi ressemble ce son. C'est comme si quelqu'un frappait à la porte. Mais il n'y a personne là-dedans. Je veux vérifier. C'est vraiment étrange. Pourquoi? Encore? Alors la musique, c'est... Qu'est-ce que tu fais? Ouh, ok. Mes sous-vêtements là-dedans. Tu caches quelque chose? Oh! Pourquoi ne me crois-tu pas? Qu'est-ce que je fais de mal? Je veux juste que tu sois avec moi. J'aimerais pouvoir te le promettre, mais que va-t-il se passer ensuite? Pourquoi te sens-tu si attiré par le placard? Je veux juste savoir c'est qui produit ces sons. Juste ce monde, c'est juste ces quatre pièces. Ce n'est pas suffisant pour toi. Ne peux-tu pas juste essayer de rester avec moi? Oh, le rester est verrouillé. J'ai pas le choix de dire non du coup. Je comprends, encore. Si tu veux savoir ce qu'il y a dehors, alors tu vas le découvrir. Maintenant. Oh! Oh, le petit sourire de fin là! Le jeu est actuellement en développement, l'histoire est déjà écrite, il vous reste beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Mais nous souhaitons ajouter davantage d'interactions afin d'enrichir l'univers. Vous pouvez suivre l'avancée du développement et même nous soutenir sur Boosty. La démo elle est à 15% du coût du jeu. Très bien. Et ben je vais y retourner pour voir du coup ce qu'il y a ce fameux... Oh bah y a tout. Incroyable. Félicitations, le jeu est terminé. La partie a duré 40 minutes. Chercher... Ah non ça c'est pour... Ok. Oh mais tellement de trucs. On va refaire tout du début. Nouvelle partie. Appelez. Enfin bref, je vous épargne tout ce tralala, et on se retrouve juste après. Donc cette fois-ci, on va faire... Enfin, on va cliquer sur la petite ventilation qui se... Merde, c'est pas là. On va me perturber avec le dernier changement. Qui va se... Voilà, défaire devant nous. On va prendre les ciseaux quand même. Et voyons voir ce qui s'y trame. Inspecter. Oui. Rick. Comment ça, Rick? Ah oui, la simplicité du jeu. Cartouches, données, ciseaux. On va en faire les cartouches. Quelque chose ne va pas. J'ai trouvé des cartouches dans le conduit d'aération. Elles avaient des étiquettes sur elles. Qu'est-ce que c'est? Des cartouches. Quel genre? On verra ça ensemble. Mais un peu plus tard. Commençons par manger. Donne-moi les ciseaux. Bon, et ben voilà, ce sera tout pour la démo de Miside et non pas Miside. Au final, les cartouches, ouais, c'était juste pour un petit truc caché, mais il n'y a rien d'autre au final, de, on va dire, un grand plus. Du coup, il y a quelques petits secrets dans cette démo, même s'il n'y a pas encore tout. Mais je pense par la suite, dans le vrai jeu, ils vont en rajouter, comme ils ont dit dans le petit message de fin. Enfin, sur cette jolie petite chanson de fin, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde.